Salut Suyane, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler de réussite. En fait, je suis tombé récemment sur une chaîne YouTube d'un mec, un Américain, qui parle de réussite, de succès, avec des témoignages de mecs qui ont réussi à vraiment à un très haut niveau. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des gens qui viennent de différents milieux, et en particulier de musiciens, puisque c'est ce qui va nous intéresser. Donc le mec, en fait, il a récapitulé souvent les 10 points clés, si tu veux, que les gens qui ont bien réussi mettent en avant, si tu veux. Et donc du coup, donc ça, j'ai relevé pas mal en fait de ces vidéos. Donc je vais en faire probablement plusieurs comme ça, que je vais un peu traduire en fait, traduire un peu son travail, si tu veux. Si tu veux voir la vidéo qu'on va parler aujourd'hui, donc tu as un lien sous la description pour la voir, c'est en anglais, mais ça vaut vraiment le coup de la regarder. En fait, aujourd'hui, on va parler des 10 points clés de la réussite selon Martin Garrix. Donc, Martin Garrix, voilà, très grand DJ international, tu connais probablement, DJ producteur, il s'est fait connaître avec plusieurs de ses morceaux, notamment Animals. Bref, c'est un mec, enfin voilà, c'est un grosse bruta si tu veux dans le domaine. Hein, après, qu'on aime ou pas son style musical, enfin le mec, voilà, il a vraiment un super niveau. Donc en fait, donc là, je vais parler des 10 points, des 10 facteurs de réussite selon Martin Garrix. Alors, le premier, c'est de croire fermement en ce que tu fais. Lui, par exemple, quand il a commencé, c'était le cas pour toi, pour pas mal de gens. Tu sais, quand tu commences dans une passion, en musique par exemple, que tu sois en djing, en live, en compo, pour créer des morceaux ou autre, tu as peut-être des gens qui vont pas forcément croire en toi, qui vont te dire ouais, ce que tu fais c'est pas terrible, qui vont essayer de te démoraliser un petit peu. Tu as toujours des haters aussi, dès que tu publies un peu de contenu sur internet, par exemple, si tu vas publier tes mix ou tes morceaux, tu peux avoir comme ça des sources d'influence négative extérieures qui risquent de te démoraliser. Et là, vraiment, lui, ce qu'il conseille, c'est de croire en toi quoi qu'il arrive et de rester, de croire en toi vraiment fermement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième point, alors il conseille de toujours rester concentré sur les choses positives dans ta vie, que ce soit dans le domaine musical ou même dans d'autres domaines de ta vie, de tout le temps rester concentré, focalisé sur ce qui est positif. Bien sûr, il y a forcément des choses négatives qui t'arrivent dans la vie, mais tu peux ne pas leur accorder trop d'importance et mettre ça un petit peu plus de côté. Alors, ça, je vais pas rentrer dans des théories, des trucs un peu trop abstraits, parce que moi, je suis beaucoup intéressé, tu sais, à tout ce qui est un peu mental, psychologie, il y a des trucs comme la loi d'attraction, etc. Mais en gros, plus tu te focalises sur des choses qui sont positives et plus tu as de chances d'attirer des choses positives dans ta vie et donc de la réussite. Et c'est vrai aussi à l'opposé, c'est-à-dire que plus tu vas penser négatif, plus tu vas broyer du noir et plus tu vas attirer des choses négatives dans ta vie. D'accord? Donc reste concentré sur les choses positives. Ensuite, troisième point, alors attends, je regarde un peu mes notes, parce que j'avais tout listé. Alors, troisième point qui parle, c'est de prendre des risques, de ne pas hésiter à prendre des risques. Alors, il ne s'agit pas non plus comment dire, de faire des conneries, de tout miser, de faire plus ou moins n'importe quoi. Mais ce que tu peux faire, c'est prendre des risques qui peuvent avoir un gros impact positif sur ton apprentissage de la musique, sur ta carrière, par exemple, si tu veux devenir DJ, producteur, professionnel. Voilà, de ne pas hésiter à prendre des risques. En fait, ce qu'il dit, c'est que si tu ne prends pas de risques dans ta vie, t'as une vie qui est un peu chiante, quoi. Finalement ça devient ennuyeux et faut pas hésiter à prendre le risque de tester de nouvelles choses pour pouvoir évoluer. Donc voilà, troisième point, prendre des risques. Quatrième point, c'était être toi-même. Être toi-même, donc moi j'appelle ça souvent un peu développer ta personnalité musicale. Être toi-même, c'est-à-dire que lui tu as par exemple ce que le grand public comme nous on entend de ce mec-là. C'est, par exemple, on a voilà, tel morceau qu'on connaît de lui, parce que ça a été un super succès. Ce qu'il y a derrière ça, il y a peut-être 50 morceaux qu'il a créés pour qu'il y en ait un qui soit retenu et produit et diffusé au grand public. Et en fait, sur les 50 morceaux, il y en a plein que lui, il kiffe. C'est sa personnalité musicale qui est révélée dans ses morceaux, mais ces morceaux n'ont pas été retenus par exemple par un label. Ils n'ont pas été diffusés massivement. Et donc lui, ce qu'il défend quand même, c'est que quoi qu'il arrive, sois toi-même dans ta façon de t'exprimer dans ta musique, même si d'autres gens ne vont pas forcément coller à tous tes morceaux, à toutes tes productions, etc. Donc voilà. Ensuite, le cinquième point, c'est tout simplement d'adorer ce que tu fais. Là, c'est
clairement, il faut que tu sois vraiment passionné à fond par la musique si tu veux réussir, mais c'est vrai aussi dans n'importe quelle autre discipline. Vraiment la passion, et moi j'en suis vraiment convaincu, c'est un moteur extrêmement puissant pour réussir, pour rester motivé, pour continuer à progresser sans cesse, pour développer des relations et être en contact avec des gens qui vont t'aider aussi à te pousser vers le haut et aller plus loin dans ta passion. Donc reste tout le temps à kiffer en fait ce que tu fais, à kiffer la musique, à mixer en public, etc. etc. Le truc c'est que lui ce qu'il dit, et d'un côté il n'y a pas de secret, tu vois, il aime tellement ce qu'il fait qu'en fait tout le temps qu'il a de libre, il le passe à faire du son. Et vraiment, enfin voilà, il n'y a pas de secret, faut vraiment bourriner quoi. Dès que tu as un peu de temps libre, ça peut être même le midi, ça peut être. Alors je sais que ça peut paraître extrême, mais lui c'est vraiment un peu ce qu'il défend. C'est que dès que tu as du temps libre, boum, tu te mets à faire du son parce que c'est ça que tu kiffes. Donc voilà, faut vraiment être hyper passionné et adorer ce que tu fais et pour pouvoir aller comme ça à un très haut niveau. Et ça, en fait, c'est pas du tout lié justement à ton niveau. Par exemple, que tu sois complètement débutant en DJing ou en production musicale, si tu as un niveau un peu intermédiaire ou si tu as un niveau très avancé, que tu sois professionnel depuis 20, que tu aies 20 ans de carrière, le principe il reste le même. Quand tu kiffes ce que tu fais et que tu as la passion, eh bien, tu vas continuer à progresser, à faire de nouvelles choses, à te faire connaître, etc. Alors ça, si tu es complètement débutant en DJing ou que tu t'y mets prochainement, moi justement, je peux t'aider à faire tes premiers pas, à débuter en DJing avec, justement, là j'ai créé en fait une formation qui s'appelle Formation DJ Padawan, spécialement prévue pour les débutants. Il y a 5 cours dedans en fait. Donc pour apprendre le calage tempo à l'oreille, pour apprendre les techniques de mix de base, pour apprendre le mix harmonique, c'est-à-dire reconnaître les tonalités de tes morceaux pour pouvoir les enchaîner et faire en sorte que ça passe super bien, tu vois, pour pouvoir sélectionner tes morceaux comme ça. Le quatrième cours, c'est dédié à comment mixer en public pour tes premières fois et assurer sans stresser. Et le cinquième cours, il est fait pour que tu puisses mixer en public régulièrement, même si tu n'as pas forcément de contact dans le milieu, etc. Et bref, donc là je t'en parle parce que ça peut vraiment, c'est la formation qui a le mieux marché sur la guerre des potards jusqu'à ce jour. Donc si ça t'intéresse, je te mets un lien en fait là sous cette vidéo dans la description que tu vas voir. Et là je fais une promo sur cette formation justement jusqu'à dimanche. Donc tu peux regarder ça si ça t'intéresse, si tu veux comme ça te mettre, apprendre les bases du mix d'une manière qui soit vraiment optimisée pour un apprentissage en seulement quelques semaines. Donc voilà. Tu peux regarder si ça t'intéresse. Ensuite, donc là on continue. Donc on a vu les 5 points, les 5 premiers points de réussite de Martin Garrix. On va passer au sixième point. Alors attends, je relis un peu mes notes. Le sixième point, c'est. Alors ça peut paraître un peu pas stupide de dire ça, mais ça vaut le coup de prendre du recul des fois et de se poser les bonnes questions. Ce qu'il dit, c'est d'investir tes efforts dans ce qui fait vraiment la différence, dans ce qui apporte vraiment de la progression dans ta carrière. Alors lui, ce qu'il donne comme exemple, c'est que là où il a eu une frustration, c'est que il a eu une époque où il produisait beaucoup beaucoup de morceaux et il trouvait pas forcément de label, tu vois, il n'avait pas ce retour en fait, cette reconnaissance de la part des labels, donc du coup il était vachement frustré en fait. Et donc du coup il passait pas mal de temps, même beaucoup trop de temps selon lui, à aller rechercher des labels, à vouloir se faire connaître, tu vois, à vouloir diffuser sa musique. Et donc du coup il a dépensé beaucoup d'efforts en fait dans cette communication, d'aller rechercher des labels, etc. Et vraiment ce qu'il regrette, c'est de ne pas avoir passé tout ce temps, d'avoir investi tout ce temps et tous ses efforts dans le fait de progresser en production musicale plutôt que d'aller chercher la reconnaissance des labels, etc. Tu vois, donc lui, pour lui, ce qui est vraiment extrêmement important, et là je pense qu'on a tous une bonne leçon à retenir de ça, en tout cas moi je sais que j'ai une bonne leçon à retenir de ça, c'est de passer le maximum de temps à progresser dans ta passion, donc par exemple en production musicale pour ce qui te concerne en particulier, plutôt que d'aller chercher les choses qui sont un petit peu périphériques, comme aller chercher des labels, aller démarcher à fond, tu vois, pour essayer de décrocher des dates, des bookings, des choses comme ça. Si tu es très bon dans ce que tu fais, dans ta passion, si tu progresses, eh bien lui, par exemple, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est les labels qui vont venir à toi. Tu vois, tu vas te faire remarquer naturellement quand tu auras atteint un certain niveau. Et lui, là où il avait un peu un regret, c'est que s'il avait passé beaucoup plus de temps et dépensé plus d'efforts dans le fait de progresser dans le son, plutôt que d'aller chercher les labels, eh bien, il aurait accéléré sa carrière, tu vois, et donc il aurait gagné du temps finalement.
Donc voilà, investis tes efforts dans ce qui fait vraiment la différence. Donc voilà, septième point, c'est de définir ce que le succès veut dire pour toi. Parce qu'on parle de réussite, on parle de succès, mais chacun peut avoir une définition différente du succès, tu vois. Donc pour certains, ça va être par exemple, ça va être peut-être sur des aspects techniques, de maîtriser, de faire un set enregistré à la maison qui soit parfait techniquement, avec des techniques de mix un peu avancées, du scratch, etc. Pour d'autres, ça va être de bien gagner leur vie parce qu'ils vont être DJ professionnels, ils vont vouloir bien avoir une bonne rémunération comme ça. Il y en a d'autres, ça peut être la reconnaissance sociale. Tu sais, quand on est DJ producteur, dans certains cas, tu vois, ça peut augmenter la valeur sociale, comment on est perçu par les autres. Et il y a des gens qui vont chercher ça et que ça va être pour eux de la définition du succès. Et lui, en ce qui le concerne, il s'est pas investi dans le son comme ça pour faire de l'argent. C'est vraiment, en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est les retours, d'avoir des retours positifs des gens, donc que ce soit quand il a des dates, quand il a des bookings, tu vois, que les gens kiffent en fait sur son son. Ça va être les retours qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux, par exemple, tous les feedbacks comme ça par rapport à son travail dans le son. C'est vraiment pour lui ce qui le motive le plus, quoi, si tu veux. Donc voilà, là tu peux définir vraiment ce que c'est le succès pour toi selon tes propres critères. Ensuite, on passe au point numéro 8. Donc là, ce qu'il dit, c'est de tout simplement de poursuivre tes rêves. Alors, des fois, ça peut paraître un peu bizarre de dire comme ça, suis tes rêves, tu sais, ça fait un peu genre le gamin qui croit tout, qui croit au Père Noël, etc. Chacun pense ce qu'il veut un peu de cette approche. Moi, je suis convaincu que c'est quelque chose de très important, en fait, d'avoir des rêves et de chercher à les atteindre. Tu vois, c'est quand tu as des rêves, finalement, tu as la passion qui va avec, et quand tu as la passion, tu vas donner du cœur à l'ouvrage. Et du coup, c'est une voie qui est naturelle, en fait. C'est une voie vers le succès qui est quand même assez naturelle. Et donc du coup, tu ne vas pas chercher le succès forcément pour le succès en lui-même, mais tu vas plutôt chercher à réaliser tes rêves. Et donc pour lui, c'était clairement ça, tu vois. C'est vraiment d'exceller en DJing et en production musicale. Après, d'être connu à cette échelle, je ne pense pas que ce soit son premier rêve à la base, mais... Enfin, après, c'est lié aussi, hein. Mais voilà, vraiment, il dit de croire en ses rêves. Et tu sais, il y a plein de gens, surtout quand on est adulte, tu vois, quand on est gamin, on a des rêves. Quand tu demandes à un gamin de 4 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il va dire, ouais, je vais être astronaute, je vais être ceci, je vais être cela, je vais être pompier ou quoi. Et dès qu'on est adulte, en fait, on est un peu conditionné, tu vois, on rentre dans la réalité, la dure réalité avec le travail, tu sais, on a une approche un peu négative. Enfin, plein de gens ont une approche un peu négative de tout ça. Et du coup, on peut avoir tendance à oublier ses rêves ou à ne pas définir ses rêves, etc. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup de rêves que je compte atteindre dans ma vie. J'ai même ce qu'on appelle une bucket list. Alors, sans entrer dans les détails, une bucket list, c'est toutes les choses que tu veux faire. C'est une liste des choses que tu veux faire avant de mourir, dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le domaine des expériences, des relations, des voyages, dans la musique. J'ai plusieurs comme ça, des trucs dans plusieurs items, si tu veux, comme ça, dans le domaine de la musique, hein, même de l'entrepreneuriat, etc., etc. Et donc moi, personnellement, voilà, je suis quelqu'un qui a plein de rêves et j'essaie aussi de les atteindre. Et c'est un peu aussi la voie que je te souhaite, en tout cas, de suivre. Donc voilà, ça, c'était le 8e point. Le 9e point, c'est faire en sorte de toujours progresser. Donc là, évidemment, il va falloir que tu te formes, que tu expérimentes beaucoup. Alors donc là, c'est une intervention plus de ma part que ce qu'il dit lui. Pour toujours progresser, moi, ce que je recommande tout le temps, c'est de garder un ratio entre la théorie et la pratique qui est à peu près de 10-90. C'est-à-dire que quand tu passes 10% de ton temps à apprendre de la théorie, par exemple dans des formations, en lisant des livres sur la musique, en regardant des vidéos sur YouTube, etc., eh bien, quand tu passes 10% de temps sur de la connaissance théorique, passe 10 fois plus de temps à pratiquer. Tu vois, pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut très bien imaginer des gens, moi je sais que j'étais beaucoup comme ça à une époque dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on veut accumuler beaucoup de savoir avant de se mettre à l'action, tu vois, pour pas faire, parce qu'on a peur de se rater, on a peur de pas faire bien, on veut avoir toutes les informations avant de commencer, et ça c'est une énorme erreur. Tu apprends beaucoup plus par ta propre expérience que par la connaissance théorique. Donc du coup, si tu veux tout le temps progresser, c'est bien de se former, de lire de suivre des formations, de lire des livres, etc. Mais il faut tout le temps pratiquer beaucoup, beaucoup plus que le fait juste d'avoir des connaissances théoriques qui ont peu de valeur finalement par rapport à ta pratique et par rapport à ta réelle expérience.
Donc voilà, donc là, en fait, quand il parle de ça dans la vidéo, il revient en fait comment dire, sur sa grosse erreur, sur son grand regret d'avoir passé beaucoup de temps à contacter les labels, etc., au lieu de passer du temps à progresser en musique. Donc voilà. Et enfin, on passe tout ça, au dixième point, tout simplement, ce qu'il dit, c'est de t'éclater. Alors, de t'éclater, bien sûr, dans la musique, mais aussi dans ta vie, dans d'autres choses. Prendre du plaisir dans ta vie, ça peut paraître aussi un peu bisounours de dire ça, mais pareil, ça a l'air d'être quelqu'un qui est vachement axé sur tout ce qui est positif, tout ce qui est, voilà, prendre du plaisir. Alors après, ça, c'est ce qu'on voit dans les vidéos, les interviews, évidemment, tu vois, c'est un peu, il vit forcément des choses négatives comme tout le monde, mais le fait de, tu vois, de rester ancré, axé, focalisé sur des choses positives, de chercher à s'éclater avec les autres, etc., dans ses passions, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que je nous souhaite aussi à tous les deux. Enfin, moi, je sais qu'en musique, de toute façon, je m'éclate bien, donc j'espère que pour toi, c'est pareil. Et donc voilà, donc ça, c'était les 10 points clés de la réussite selon Martin Garrix. Donc, si tu veux toi aussi devenir, enfin, aller vers la voie du succès, même si c'est quelque chose qui est long terme, hein, ça dépend si t'es, enfin, où t'en es, et ça dépend de ta définition du succès. Mais si tu veux démarrer comme ça en DJing, si tu veux apprendre déjà à bien maîtriser les bases avant de passer à un niveau plus intermédiaire, encore une fois, je te mets juste en dessous de cette vidéo, dans la description là, tu vas voir donc un lien vers une promo en cours que je fais sur la formation Padawan. Donc encore une fois, c'est la meilleure formation que j'ai créée pour les débutants qui veulent apprendre à mixer sur platine CD, sur platine vinyle ou sur le logiciel. Alors à chaque fois, je m'adapte, hein, aux différents. Les explications, elles sont adaptées aux différents supports, hein, si tu es sur vinyle, sur CD ou quoi, ou sur Traktor, Virtual DJ ou autre. À chaque fois, ça s'adapte, les principes restent les mêmes. Et donc voilà, là il y a une promotion jusqu'à dimanche. Je te laisse regarder ça tout de suite dans la formation Padawan, donc juste en dessous de cette vidéo. Et je te retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait, la partager à tes potes, etc. Et je te souhaite de bien t'amuser. À bientôt. Ciao!